beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 11 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, univers infini, que le génie qui est en moi soit libéré. Que je saisisse clairement le plan parfait, immédiatement, ici-bas et maintenant. Que cela soit ainsi. Merci avec toute ma gratitude et vous le dites trois fois. On continue avec s'autoriser à être soi, n'est-ce pas? C'est accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière. Et aujourd'hui, j'ai pigé, chasse les pensées et les mots limitants. Cette carte, elle fait partie du cinquième chakra. C'est l'expression de soi. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge et sa couleur, elle est bleue. Et le chakra de la gorge se situe à la base du larynx. Et lorsque ce chakra, n'est pas aligné avec les autres chakras, cela veut dire que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour parler de votre vie intérieure et vous vous en tenez souvent à l'intellectualisme et au rationalisme. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, timide ou au contraire dans un flot ininterrompu de paroles et vos émotions réelles restent coincées. Elles restent vraiment coincées dans la zone de la gorge et vous avez tendance, à vous sentir en décalage entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Par contre, si ce chakra est harmonieux, il permet d'exprimer librement les sentiments. Il permet d'exprimer les émotions, les pensées, par les mots, les gestes ou la créativité. Bon orateur, en parfait accord avec votre cœur, vous captez aisément l'inspiration pour transmettre sagesse et vérité autour de vous. Maintenant, s'il n'est pas dans l'alignement, la solution, le verbe créateur. Le verbe créateur est porteur de liberté et l'expression de votre vérité, sachez qu'elle est sacrée. Il faut apprendre à vous exprimer en accord avec votre cœur pour communiquer. Pour communiquer cette vérité que vous avez. Donc voilà, ça c'est la solution. Alors, définition de la carte, chasse les pensées et les mots limitants. Il est des choses dans la vie, pour certains d'entre vous, tu t'empêches de faire ou de dire parce que tu t'auto-sanctionne. Persuadé d'être plus obligé de correspondre à la définition que les autres se font de toi. Qu'à laisser libre cours à ta réelle nature. Cette identité sociale qui ne reflète pas ton plein potentiel, n'est-ce pas, fait souvent naître des croyances limitantes que tu répètes en boucle et qui t'empêchent de te réaliser. Des croyances limitantes de ton enfance, de ta plus tendre enfance, de ta jeunesse, de ton adolescence. Par exemple, je suis nulle en ceci, en cela. Je ne suis pas sportive, je n'ai jamais su être créatif, je suis tête en l'air, etc. Aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais hier. Et tu n'es pas encore ce que tu seras demain. Cette carte, elle te dit, donne-toi.
Donne-toi la possibilité de changer. Donne-toi la possibilité d'évoluer en devenant qui tu es au fond de toi et pas en étant ce que les autres attendent que tu sois. Alors, aujourd'hui, pense grand, vois haut, c'est toi. C'est toi et toi seul. N'oublie jamais qui est l'acteur de ta vie. Très, très beau message. Autorise-toi. Autorise-toi. Mets tout ça en lumière. Je termine. Ne plus avoir peur. Voilà. Et j'ai pigé. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Je vous souhaite une excellente journée. Autorisez-vous, s'il vous plaît. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Alors, à demain.